Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Tour d'Horizon, notre série de vidéos dans laquelle je donne mon avis rapide sur des modèles Lego à venir. Donc aujourd'hui nous allons voir des modèles de deux thèmes 2017 vague 1, d'un côté Marvel Super Heroes et de l'autre le film Lego Batman. Voilà. Donc on va commencer par Marvel, parce qu'effectivement c'est le thème qui contient le moins de 7. Et comme vous pouvez le voir, les trois premiers modèles qu'on va voir ensemble, ce sont des modèles de la sous-gamme Mighty Micros, donc avec le premier, le 6071 Mighty Micros Spider-Man versus Scorpion, donc Spider-Man contre le Scorpion, et qui coûte 9,99€. Donc je vous rappelle le concept de ces modèles Mighty Micros, qui sont aussi sortis d'ailleurs en version DC Comics en 2016. C'est le fait que vous avez deux petits véhicules et dedans deux figurines un peu plus cartoon, comme vous pouvez voir au niveau de leur expression faciale, mais aussi du fait que elles ont des jambes d'enfant, comme on peut voir à ce niveau-là. Voilà. Et donc, Spider-Man contre Scorpion, pas vraiment grand-chose à en dire, si ce n'est qu'effectivement, Scorpion est plutôt réussi, je trouve, en termes de figurines. J'aime bien la nouvelle pièce de queue, visiblement. En tout cas, ça me semble pas être la pièce qu'on avait dans Legends of Shima, donc visiblement une nouvelle pièce, un nouveau moule. Après, je dois aussi vous avouer que je ne sais pas du tout si Scorpion a déjà eu le droit à une figurine en Lego ou pas. Alors, je pense que oui, parce que ça fait au moins à peu près 10 ans que le thème Lego Spider-Man existe, mais ça ne me dit absolument rien personnellement, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires effectivement si il a une version déjà en figurine plus entre guillemets traditionnelle de Scorpion. Et aussi j'aime bien le fait qu'il a un scorpion, comme vous pouvez le voir, logique, en vert pomme. Ça aussi je ne sais pas du tout si c'est la première fois ou pas qu'on a ce moule-là en cette couleur-là, mais en tout cas j'aime plutôt ça. Après pour le reste, pas grand chose à dire sur Spider-Man du classique, et les deux véhicules honnêtement n'ont pas grand chose de véritablement intéressant. Alors oui, on pourra effectivement noter l'usage des pièces de entre guillemets décoration de casque de samouraï pour faire des sortes de pinces de scorpion, mais honnêtement, c'est pas vraiment la gloire, pour tout vous avouer. Donc bon, vraiment, à part le scorpion que j'aime bien, pas vraiment un set qui restera dans ma mémoire, je pense. On enchaîne avec le 116 112 Mighty Micros versus non, Mighty Micros Iron Man versus Thanos, donc là encore 9,99€. Et là encore, effectivement, c'est vrai que le point fort du modèle, eh bien, je pense que c'est avant tout le côté Thanos, en fait, encore côté des méchants, parce que comme vous pouvez le voir, déjà la figurine Thanos est bon, et ok, il n'y a pas non plus grand chose à dire dessus. Elle a effectivement son gant de l'infini, donc là, le gant de l'infini très important dans l'univers Marvel, que ce soit le film ou bien évidemment les comics sortis bien évidemment avant, et aussi cette pièce d'armure là, donc apparue pour la première fois dans Ninjago, si je ne dis pas de bêtises, en version dorée, hein, si je ne me trompe pas. Et donc là encore, je crois que c'est la première fois peut-être qu'on l'a en doré cette pièce là. En tout cas, c'est plutôt cool de la revoir dans une nouvelle couleur. Et aussi son véhicule, comme on peut voir, qui est aussi un gant de l'infini. Donc effectivement, on retrouve eh bien les 5 doigts, mais on a aussi les pierres de l'infini à ce niveau là, comme vous pouvez le voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve, parce que ça, bah, forcément, c'est fidèle à l'histoire. Après là encore, Iron Man, c'est du classique, même si son véhicule est plutôt cool, je trouve, avec les 4 petites parties à l'arrière qui font comme des sortes de réacteurs comme ça, qui rendent plutôt bien. Et d'ailleurs, vous noterez que Iron Man vient avec une tête alternative qui représente son casque, parce qu'effectivement, les Mighty Micros, visiblement, n'ont pas le droit à des casques complexes d'Iron Man classiques. Après, la figurine de Tony Stark est très classique, très simplifié, quoi, voilà. Mais là encore, effectivement, le côté des méchants est assez intéressant, surtout parce que ça reprend bien, effectivement, le concept du gant de l'infini. On enchaîne avec le troisième et dernier Mighty Micros, le 116 113 Wolverine versus Magneto, 9,99€ là encore. Et honnêtement, alors déjà, je ne comprends pas trop la bouche de Wolverine qui, on dirait, est de côté en fait. Mais genre, on dirait qu'on la voit de trois quarts la bouche, alors que la face, elle est de. Et ben la face, l'usage est de face en fait, si vous voulez. Alors que la bouche, elle est de trois quarts. C'est un peu bizarre, en tout cas, à part la coupe de cheveux que j'aime bien, et j'ai pas grand-chose à en dire. Et là encore, est-ce que la coupe de cheveux est nouvelle ou pas? Je ne pense pas, mais ça se trouve. Je ne sais pas du tout si on a des versions de Wolverine en fait sans masque. C'est ça le truc. Mais en tout cas, la coupe de cheveux est plutôt réussie, je trouve. Mais après, je ne sais pas si c'est une nouvelle. Et d'ailleurs, idem pour Magneto, qui honnêtement a un très chouette casque. La figurine après est plutôt classique. Et bon, là encore, le petit véhicule avec les mains est une touche sympathique, mais peut-être un peu moins intéressante que ne l'était le véhicule de Thanos. Quant au véhicule de Wolverine, je suppose qu'il représente effectivement l'espèce de véhicules volants des X-Men, mais voilà, j'ai pas non plus grand chose à en dire particulièrement. Donc honnêtement, les Mighty Micros, c'est peut-être pas vraiment trop mon kiff premier, même s'il y a quand même des pièces et quand même des concepts intéressants qui sont assez sympathiques.
On enchaîne donc avec le premier des trois modèles vraiment en boîte, donc le 76076 Captain America Jet Pursuit, ou en français la poursuite en avion de Captain America, qui coûte 24,99, donc pas le modèle le plus cher, et c'est pas plus mal parce qu'en effet, dedans il y a ma petite préférée que je ne savais pas qui était disponible en Lego, c'est la nouvelle Miss Marvel, effectivement, donc qui a remplacé Carol Danvers, qui en retour est devenue Captain Marvel. Et donc Miss Marvel, effectivement, c'est un des rares comics Marvel que je lis encore régulièrement, et donc ça c'est, je crois, Kamala, si j'ai pas de bêtises, le nom du personnage, parce qu'en plus, même si je le lis régulièrement, j'ai quand même une meilleure façon rouge. Et donc, c'est vraiment cool de l'avoir enfin en figurine. Par contre, ce qui m'embête un peu plus, c'est que je ne sais pas si Lego vous file ou pas des bras de figurines normaux, parce qu'effectivement, son pouvoir à Miss Marvel, c'est qu'elle a des parties un peu. Elle peut agrandir certaines parties de son corps. Voilà, et donc j'aurais quand même aimé l'avoir en version normale avec ses bras normaux, quoi, mais j'ai pas l'impression que ce soit inclus avec les pièces. Et en lisant la description du modèle, j'ai pas non plus vu ça. J'ai vraiment l'impression qu'effectivement ils ont fait une sorte de torse entièrement nouveau pour pouvoir faire en fait glisser la barre d'un côté comme de l'autre, pour faire comme si son bras droit, enfin sa main droite, non, si son bras droit ou son bras gauche s'agrandissait d'un côté comme de l'autre, mais ouais, j'ai pas l'impression qu'on ait des mains normales, et ça me dérange un peu pour tout vous avouer. Pour le reste, Captain America dans une tenue visiblement pour le froid, voilà. Et donc ce personnage-là que je pensais être le Faucon, mais en fait plutôt parce qu'effectivement il a un autre nom. C'est pas le Faucon, c'est un robot méchant, je suppose. Ben en plus j'ai lu son nom dans la description, mais je m'en souviens déjà plus. En tout cas, le robot est plutôt cool, et comme parle, il y a une sorte de pièces de flamme un peu qui ont l'air nouvelles, je pense. En tout cas, c'est la première fois que je les vois, et elles sont plutôt cool. Et enfin, forcément, la partie véhicule en lui-même, eh bien, c'est un jet. Et en toute honnêteté, c'est pas vraiment la joie. On va dire que d'habitude, j'aime bien les jets, même s'ils ont des formes assez classiques. Si vous voulez, par exemple, j'aimais beaucoup le jet de Jay sorti en 2012 en Ninjago, qui était pourtant un jet à la forme très traditionnelle. Et là, honnêtement, je trouve que ça ne passe pas. Alors, est-ce que c'est le schéma de couleur Captain America qui me plaît moyennement? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que le jet ne me fait vraiment rien, quoi. Mais vraiment rien de chez rien, quoi. Genre, ouais, ok, c'est un jet, mais il a rien de plus. Si ce n'est ces sortes de lanceurs de disques très mal camouflés sous les ailes, là, honnêtement, c'est pas tip top. Alors, après, peut-être qu'il y a une sorte de mécanisme pour faire agrandir ou pas les ailes, parce que là, je crois voir des pièces charnières, peut-être, non? Des pièces à cran, rotation à cran à ce niveau, peut-être. Donc, peut-être qu'on peut effectivement switcher les ailes en avant ou en arrière. Mais, ouais, je sais pas. Le jet me fait rien, quoi. Donc c'est dommage parce qu'honnêtement, et encore en fait, non, honnêtement, je ne vois pas du tout ce qu'il y a à faire Miss Marvel là-dedans. Mais peut-être que là encore, c'est un set qui est tiré du dessin animé Marvel qui passe en ce moment-là et pas rendu des comics. Parce qu'effectivement, Miss Marvel, elle a très peu rencontré Captain America dans son comics, quoi. Et encore moins ce robot, si je dis pas de bêtises. Donc ouais. Donc bon, ouais, je suis un peu déçu parce qu'au final, même si j'aime bien le personnage, j'ai l'impression qu'on n'a pas ses bras normaux et qu'en plus, le set qui vient avec est sympathique, mais vraiment sans plus, quoi, hélas. Bon, on va enchaîner parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble. Le 76077 Iron Man Detroit, Steel Strike, ou Iron Man, l'attaque de Detroit Steel, 34,99. Et là, par contre, effectivement, je suis un peu plus intéressé, alors non pas par les figurines, parce que là, effectivement, c'est un peu l'inverse de celle d'avant, dans le sens où Iron Man, voilà, alors ça se trouve, c'est une nouvelle version de son armure, mais honnêtement, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et d'ailleurs, en fait, non, c'est moi, même maintenant, ouais, même là, on a des têtes casques, en fait, qui ne s'ouvrent plus, si j'ai pas de bêtises. En tout cas, on dirait que ça s'ouvre pas. Voilà, bref. Là, vous avez l'agent Coulson, visiblement, donc effectivement, l'agent du Shield qu'on a dans la plupart des films Marvel. Et là, vous avez effectivement Justin Hammer qui apparaît dans Iron Man 2, si j'ai pas de bêtises. Ah non, que ce soit un autre personnage de la Hammer, je ne sais pas. Et donc, ouais, effectivement, les figurines ne me font rien. Honnêtement, elles ne m'intéressent pas du tout. Même si ça se trouve, lui rend bien avec son casque, j'ai des doutes. Par contre, les véhicules sont plus cool, je trouve, tout de suite. Alors, la voiture est pas trop mal, elle a des bonnes petites formes. C'est pas mon type de voiture préférée, c'est pas non plus mon type de roue un peu trop grande selon moi, et un peu trop fine aussi. Mais je trouve la forme plutôt propre, et le méca est aussi plutôt cool, avec comme on peut voir des pièces Herofactory, dont celle-ci pour les épaulettes, comme on peut le voir à ce niveau-là, qui rentrent plutôt bien. Alors, après, par contre, les jambes m'ont l'air d'être un peu. Autant les pieds, pourquoi pas, là, avec l'espèce de talon, j'ai l'impression. Autant ces espèces de jambes là, elles font une forme un peu en Z qui part en arrière, c'est un peu particulier quoi. En fait, ce qui est un peu particulier, surtout je trouve, c'est le contraste
partie arrondie et partie beaucoup plus carrée en fait, si vous voulez. C'est ça qui me dérange un peu. En plus de cette espèce de mécanisme de scie circulaire qui honnêtement semble être casé un peu à l'arrache, quoi. Enfin, ça ressort de façon un peu moche, je trouve. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, hormis ce que je viens de dire là, je trouve que le mec est plutôt cool, il a des petites ailettes, qui amènent du dynamisme, il a des formes rondes assez propres, le cockpit a l'air plutôt cool aussi à ce niveau-là, donc bon. Même si c'est pas parfait, j'aime plutôt bien ce petit méca, pour tout vous avouer. Et enfin, on passe au dernier modèle, le 76118 Hulk versus Red Hulk, ou en français Hulk contre Hulk rouge, 74,99. Et donc là, eh bien, on refait un petit twist, parce qu'effectivement, je pense, que, enfin pour moi tout du moins, ce qui est le plus intéressant dans ce set-là, c'est avant tout les figurines. Alors bon, certes, vous avez effectivement Hulk et Hulk rouge, même si personnellement, c'est vrai que Hulk rouge n'a jamais vraiment été un de mes personnages préférés, même le Hulk de base, si vous voulez, mais Hulk rouge encore moins, quoi. Par contre, c'est plutôt cool, parce que vous avez effectivement She-Hulk, et je ne sais pas du tout si on l'a déjà en figurine ou pas auparavant, mais sinon c'est la première fois, c'est plutôt cool. Et elle est plutôt bien faite, je trouve. Et vous avez aussi donc eh bien, Red She-Hulk, donc She-Hulk version rouge, là encore, qui est aussi plutôt propre. Et est-ce que c'est une petite teinte de couleur? Oui, c'est une petite mèche rouge à ce niveau-là, plutôt propre. Donc ouais, non, vraiment des bonnes figurines. Après, par contre, c'est vrai que les véhicules, bah, c'est un peu des véhicules à la Hulk, quoi. C'est des gros véhicules de bourrin, je suppose que c'est un peu l'idée derrière ça. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier, il faut apprécier. Honnêtement, j'aime bien les couleurs un peu fantaisistes de ce véhicule-là, avec des grosses roues bleues et un corps de couleur vert ou vert pomme. Ça fait un peu penser à des voitures téléguidées qui ont des couleurs un peu flashy comme ça, du genre bien rentre dedans, quoi, donc pourquoi pas. J'aime aussi effectivement le fait qu'on ait cette espèce de pièce de barrière pour faire une sorte de vitre à l'avant, c'est plutôt cool. Après, pour le reste, honnêtement, c'est pas non plus si top que ça. Vous noterez la réutilisation x3 de la même pièce ici et là et là. J'aime bien aussi le drapeau par contre, le petit fanion à l'arrière, ça amène aussi du dynamisme. Mais c'est vrai que par contre, ça m'a l'air de quand même très simple en termes de structure pure et dure, hein, en termes de construction. Et c'est à peu près pareil pour ce véhicule-là, qui lui par contre est un peu. J'aime un peu moins, je trouve, parce qu'effectivement, vous avez des sortes de missiles ici, missiles un peu là pour mettre, je pense, Red She-Hulk à ce niveau-là. Mais après, hormis honnêtement l'usage de la pièce de pelleteuse ici, qui est plutôt cool, je trouve, qui contribue un peu au côté en métallique de l'ensemble, c'est pas vraiment le top. Bon, par contre, le schéma de couleurs rouge et noir, là encore, est assez fonctionnel, je trouve. Mais c'est vrai que bon, c'est pas trop la joie. Et donc au final, c'est pas non plus trop la joie d'une façon générale pour cette première vague Marvel, comme vous pouvez le voir. Avec quelques sets un peu en vrac. Alors on aura d'autres en vague de 2017. Ce sera des sets tirés du second film Gardien de la Galaxie, et ce sera aussi des sets tirés du film Spider-Man. Voilà, donc Spider-Man Homecoming en version US. Voilà. Donc honnêtement, le seul modèle qui m'intéresse vraiment, c'est celui-ci pour la figurine, mais s'il n'y a pas les bras normaux, bah, je suis un peu déçu, quoi. Donc bon, ouais, niveau Marvel, c'est un peu moyen, je trouve personnellement. Enfin, en tout cas, contrairement à la vague de 2016 avec les 7 Spider-Man qui étaient vraiment tous réussis, je trouvais, là, personnellement, on revient dans une sorte de set passable, mais un peu bof, quoi, hélas. Et maintenant, on passe au gros du gros. Alors, 2 secondes. 13 minutes déjà, avec effectivement le thème Batman, le film, et comme vous pouvez le voir, pour la vague 1, c'est pas moins de 13 modèles déjà qui vont sortir. Donc, il y a de quoi faire, et il y en aura encore 5 autres en vague 2, quoi. 5 autres modèles en vague 2, et il y a aussi pas mal de modèles promotionnels que je n'ai pas mis en avant. Je mettrai un lien vers Brickset, comme ça vous pourrez les voir. Mais ouais, là encore, tout comme le film Lego à l'époque, avec Lego qui avait mis beaucoup de sets derrière, hein, souvenez-vous, on avait fait pas mal de vidéos dessus, et encore, j'avais pas terminé entièrement, mais et bien visiblement, là aussi, Lego veut mettre à fond les ballons derrière le nouveau film, donc ouais, c'est surtout vos parents qui vont pleurer, je pense. Allez, on va commencer tout de suite avec le 110 900, The Joker Balloon Escape, ou en français, l'évasion en ballon du Joker, ça coûte 14,99. Et c'est clairement un modèle d'entrée de gamme sympatoche, sans plus, parce qu'effectivement, bah, il n'y a pas grand-chose vraiment à dire, quoi. Je veux dire, là, c'est une sorte de mini-structure qui n'est pas super intéressante. Je suppose qu'il y a une sorte de mécanisme dedans, en tout cas, j'espère, parce que sinon, c'est juste une sorte de gros bloc, quoi. Alors certes, effectivement, c'est un bloc plutôt réaliste avec la TNT qui va exploser, le tuyau qui rend plutôt bien la petite valve, ça j'aime beaucoup ce genre de détail là, mais après c'est pas fun, quoi, entre guillemets, donc je pense qu'il y a un mécanisme.
Et après, vous construisez une sorte, effectivement, de jetpack à ballon. Là encore, en termes de construction, bon, c'est pas top, quoi. Alors, bien sûr, on prend quand même noter l'usage très astucieux des manches de rouleaux de peinture. Là, histoire de faire les poignées du jetpack. Mais hormis ça, honnêtement, il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire. Bon, après, ça, effectivement, Sub me disait, ça fait deux figurines essentielles au film pour pas cher. Bon, c'est quand même 15 euros les deux figurines, hein. C'est pas non plus le. Mais c'est vrai qu'effectivement, vous avez quand même le Batman et Joker. Et d'ailleurs, Joker qui a quand même un imprimé plutôt cool, comme pas même coupe de cheveux plutôt cool aussi. D'ailleurs, coupe de cheveux qui me rappelle étrangement les coupes de cheveux des Lego Exo-Force en 2006, qui est des coupes de cheveux un peu manga, avec des pointes et tout. Ça me rappelle un peu ça. Voilà. Donc, bon, ouais, honnêtement, un set entrée de gamme qui, moi, m'intéresse pas trop, pour être gentil. On passe au 110 901. Mr. Freeze Ice Attack, ou en français l'attaque de Mr. Freeze, qui coûte 24,99 €. Et donc, vous avez eh bien, un nouveau Batman avec une. Alors, je sais pas où cette pièce-là est nouvelle ou pas, enfin, cette espèce de pièce de pistolet est nouvelle ou pas, en tout cas, elle est plutôt cool, je trouve. Donc, ouais, Batman, c'est le même que celui-ci, hein, visiblement. Alors, peut-être qu'il aura à nouveau une impression différente au niveau du visage, mais en tout cas, voilà. Et j'ai pas grand chose de plus à en dire. Alors oui, par contre lui, est-ce qu'il est contre Batman vu qu'il vise, il pointe son flingue sur Batman. C'est un peu étrange, alors après il est gentil. Et oui, effectivement, bah, Mr. Freeze. Donc Mr. Freeze, la figurine est plutôt cool. J'ai rien à dire là-dessus, ça vous allez voir, c'est une constante. Hein. Les figurines sont vraiment bien, parce qu'effectivement j'ai quand même pu voir un peu les images avant, et honnêtement, elles sont vraiment bien. Mais après son robot, en toute honnêteté, c'est un peu simpliste peut-être. Honnêtement, le torse rend bien, les formes sont plutôt propres, vous avez un tuyau avec de la glace, les pistolets ici sont plutôt cool, l'espèce d'arme multifonction qui part dans tous les sens est aussi assez intéressante, mais les jambes vraiment ultra fines, c'est un peu bof, je trouve. Après, en termes de structure, bah, il n'y a pas grand-chose à en dire, mais au moins, ça remet bien la situation, quoi. Vous avez le décor qui est attaqué, et vous avez la glace qui se forme, qui peut être utilisée, effectivement, donc contre Batman pour l'enfermer, ou contre le personnel, je suppose, créé par Mr. Freeze. Donc, là encore, pas des super décors en termes de construction, mais qui au moins permettent de bien représenter la scène. Après, il me semble qu'il y a aussi un délire comme quoi on peut assembler des sets ensemble, genre par exemple celui-ci et celui-ci, peut-être éventuellement. Car effectivement, comme on peut voir, les deux, quand même, ici et ça, ont une structure similaire. Et d'ailleurs, il me semble qu'effectivement, on peut, entre guillemets, les combiner. Voilà. Donc, soit ce modèle-là, soit ce modèle-là et celui-ci. Car effectivement, comme on peut voir, on a donc deux modèles à 24,99 €. Donc oui, rapidement, celui-ci, comme je l'ai dit, honnêtement, lui aussi n'intéresse pas vraiment, personnellement. Et donc le second, qui est le 110-902 Catwoman 4 Cycle Chase, ou en français la poursuite en 4 motos de Catwoman. 4 motos, c'est assez rigolo, je trouve. Donc là encore, 24,99 €. Donc c'est assez intéressant, parce qu'au final, vous pouvez choisir, en fait. Vous pouvez choisir entre celui-ci ou celui-ci, donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, a Batman, celui-ci ne l'a pas. Et donc effectivement, à la place de Batman, eh bien, vous avez Catwoman, je suppose, vous avez Robin, et vous avez une Batman, je suppose, parce qu'effectivement, elle a quand même le logo Batman. Et elle a aussi, bah non, aussi c'est une Batman, ça, je pense. Je ne sais pas laquelle c'est. Batgirl, plutôt. Pourquoi je dis c'est une Batman? La tristesse. Alors là encore, effectivement, je ne connais pas trop. Hein. Alors, DC Comics, donc si je me trompe, si je demande une question, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Bref, vous avez je suppose que c'est Batgirl, voilà, Batgirl, à ce niveau-là. Et je pense par contre que c'est un casque exclusif, vu qu'il y a la coupe de cheveux qui ressort à ce niveau-là. Et j'ai aussi l'impression que ouais, son casque est un peu plus arrondi par rapport à celui de Batman qui est tout carré. Et honnêtement, j'aime plutôt bien ce set. Voilà, alors c'est plutôt cool, c'est deux personnages féminins. La moto est assez sympathique, je le trouve aussi. Alors, ces pièces-là, par contre, je ne les connaissais pas. Des espèces de demi-cercles comme ça ne me dit rien. Est-ce que c'est nouveau pour 2017? Je ne sais pas, c'est fort possible. En tout cas, même s'il y a beaucoup de techniques dans la moto, enfin d'éléments techniques dans la moto, j'aime bien son côté un peu assez simple, personnellement. Peut-être un peu squelettique, certes, mais je trouve ça plutôt efficace, plutôt propre. Juste quelques touches de violet, du noir, du gris foncé, mais c'est plutôt efficace. Voilà. Après, la banque. A au moins intérêt contrairement à ça, parce que ça le problème c'est qu'effectivement c'est vraiment un mur quoi, au moins l'espèce de, enfin de banque, non, la bijouterie a au moins l'avantage d'être un petit rectangle fermé quoi, entre guillemets. Donc on a vraiment une sorte de petit bâtiment, bon qui est archi vide, on est d'accord, hein, mais au moins on a un petit bâtiment et c'est plutôt cool. Voilà, donc honnêtement entre les deux, je préfère celui-ci. Mais après c'est différent quoi, là encore vous avez structure véhicule, alors que là vous avez vraiment structure plus méca, c'est un peu, c'est pas pareil. En tout cas, je l'apprécie plus ce modèle-là.
On enchaîne avec le 110-903, The Riddler Riddle Racer, ou le bolide de l'homme mystère, 34,99. Et là, par contre, je dois avouer que, eh bien, j'aime beaucoup ce set, d'après ce que j'ai pu en voir, et déjà pour la voiture. La voiture, j'aime beaucoup ses formes rondes comme ça me rappelle aussi bien d'anciennes concept cars qu'on avait à l'époque, dans les années peut-être 60, 70, etc., que même des voitures de course d'époque, effectivement, qui avaient ce côté un peu arrondi qu'on peut voir, par exemple, parcourir au circuit du Mans. Donc j'aime beaucoup, personnellement, ce look arrondi, courbé pour la voiture, avec même la vitre arrière comme ça à l'arrière, la vitre arrière à l'arrière, logique, le circuleur. Même les formes à l'avant ici, comme ça, les formes de vitres utilisées pour l'avant ici, et les rétroviseurs faits avec des pièces comme Payward qui normalement servent pour faire une sorte de pour comment dirais-je, se laisser glisser sur un filin, quoi, sur un fil. Donc ouais, vraiment un chouette véhicule celui-ci, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les figurines qu'on parle ne sont pas en reste. Alors honnêtement, à part Batman et à part effectivement l'homme mystère qui est plutôt cool avec peut-être une nouvelle pièce là, avec le point d'interrogation, je ne connais pas les autres. Par contre, je peux dire que ça c'est plutôt cool parce qu'effectivement, ce personnage-là, eh bien, elle a les épaulettes de Fluminox du monde de Shima 2014 mais en couleur noire. Et c'est vrai qu'effectivement c'est un moule plutôt cool qui était exclusif à la figurine, donc c'est quand même cool de le revoir dans une nouvelle couleur, et en plus il rend vraiment bien en noir, et même la figurine en elle-même rend vraiment bien. Je sais pas qui est ce personnage là mais elle rend vraiment bien. Je le connais pas non plus, mais il a l'air content, il a des ailes aussi, donc c'est plutôt cool. Et lui en plus je ne le connais pas. Est-ce qu'il joue au bingo avec les chiffres? Je ne sais pas. Mais voilà, je trouve que vous avez un chouette répertoire de figurines. Après voilà, toujours 35€ juste pour une voiture qui sera pas si grande que ça, ça fait toujours un peu mal, je trouve, forcément. Mais au moins, il y a 5 figurines qui ont l'air plutôt propres, qui se complètent, donc ouais. Honnêtement, c'est un set vraiment qui pourrait m'intéresser. On enchaîne avec le 110904 Clayface Splat Attack, l'attaque de gueule d'argile, 34,99€. Et donc là encore, c'est moi où effectivement on a deux modèles à 34,99€. Et par contre, là, pour moi, le choix est vite fait, parce qu'effectivement, ce modèle-là, Bon, les figurines Batman à nouveau, une figurine de Civil que je ne connais pas, parce que c'est peut-être... Je ne pense pas que ce soit Amanda Walker, parce que vraiment, elle a pas les cheveux blonds, si je ne dis pas de bêtises. Mais par contre... En fait, le personnage d'argile, pourquoi pas? Parce que comme peur, c'est intéressant, parce que c'est vraiment une sorte de construction tout en briques, en fait. Donc c'est plutôt rigolo, c'est un parti pris qui est vraiment plutôt cool, mais après, est-ce que c'est vraiment intéressant à construire, quoi? Là encore, le corps m'a l'air assez mystérieux, donc je me demande effectivement comment est-ce que ça fonctionne, même si bon, quelque chose me dit que ça doit être un corps assez simple, avec au final des pièces en charnière pour faire les sortes de parties pentues ici et là, mais je sais pas, la construction, enfin je sais pas, d'un côté la construction, je me dis, elle peut être intéressante pour certaines techniques, mais après je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant de dépenser 34,99€ pour construire ça, quoi? Et c'est vrai que là, j'ai un peu plus de mal, quoi, pour tout vous avouer. Je sais pas, ça me semble vraiment être Je sais pas si c'est vraiment un modèle qui va se vendre, quoi. En plus, c'est une créature toute marron, quoi. Je sais pas si vraiment les enfants, même vous, hein, qui regardez cette vidéo, parce qu'au final, c'est vous, les enfants, quoi. C'est un modèle qui vous plaît ou pas, ou qui vous attend plus que ça, mais en tout cas, c'est vrai que, bon... Après, je reconnais que c'est intéressant parce qu'au moins, vous avez une sorte de grosse créature pour attaquer Batman. C'est un peu, je crois, le seul exemple dans les autres sets Batman qu'il y a du film. Donc pourquoi pas, voilà, c'est différent, mais c'est vrai que honnêtement, j'ai un peu de mal vraiment à me dire est-ce que ce sera intéressant, est-ce que... Voilà, pour 34,99€, personnellement, je préfère acheter ça, quoi. Même ça, c'est beaucoup plus tranquille avec une voiture assez simple au final, quoi. D'ailleurs, j'ai pas marqué, mais là, toute la partie ici, merde, d'être des briques mises sur le côté, en fait, là. Ce qui est plutôt cool. Bref, voilà, donc le gueule d'argile, j'aimais toutes. J'ai des gros doutes dessus, même si je salue l'effort. On passe au 110-905 The Batmobile, ou en français, la Batmobile, 74,99€. Et donc, alors, Batman, Robin, des figurines qui, honnêtement, on va dire que l'homme, alors j'ai pas son nom, je dirais l'homme chauve-souris, ah oui, l'homme chauve-souris, tiens, mais qui n'est pas Batman. Bref, ce personnage-là, je trouve pas ça super intéressant. Alors, une espèce d'assassin-femme. Est-ce que c'est des personnages qui sont sous les ordres de celui-ci? Je ne sais pas. Pas grand-chose à en dire. Par contre, c'est vrai que le véhicule est plutôt cool.
Alors c'est vrai que là, effectivement, en termes de Batmobile, on est plus dans le dragster Batmobile qu'autre chose, qui est genre qui fait un max de bruit. Mais honnêtement, j'aime bien la forme, je trouve le véhicule de bonne taille. Je pense que ça doit vraiment être impressionnant en vrai. Les petits bouts d'échappement, les ailerons, la vitre comme ça de couleur jaune qui rend vraiment bien. Honnêtement, c'est un véhicule que je trouve plutôt cool. Alors pas du tout dans l'esprit de la Batmobile classique et tout, hein, mais c'est vrai que plus les années avancent, plus les Batmobiles, j'ai l'impression, sont des sortes de gros véhicules énormes, une sorte de tank sur quatre roues, donc honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça, que ce véhicule-là aussi soit un peu dans la même lignée de véhicules ultra bourrins. Alors par contre, comme là, les roues sont fixées sur des pièces rotation à cran, est-ce qu'on peut pivoter les roues éventuellement en avant? Je vois pas trop l'intérêt, mais peut-être. En tout cas, voilà, choix de véhicule. Choix de véhicule. On enchaîne avec le 110-906 The Joker Lotorious Lowrider, ou en français la décapotable Joker 49,99. Donc on redescend un peu niveau prix, parce qu'effectivement c'est que 65 euros quand même, c'est assez cher, il hein, faut bien le dire. Et un véhicule qui aussi est assez intéressant. Vous avez le Joker avec une tenue différente de sa tenue petit set, ce qui est plutôt cool ça, parce qu'effectivement c'est toujours intéressant d'avoir la même figurine, enfin le même personnage dans deux tenues différentes. C'est intéressant tout le moins pour ceux qui achètent la plupart des sets. Après, forcément, ceux qui n'achètent qu'un modèle sur les deux peuvent être éventuellement déçus de ne pas avoir la tenue qu'ils voudraient. C'est aussi ça le problème. Harley Quinn, avec sa nouvelle coupe de cheveux et tenue, si je dis pas de bêtises, et on retrouve Batgirl, visiblement. Bon, les figurines, honnêtement, c'est vrai que moi, Joker, Harley Quinn, j'ai jamais été non plus un grand fan, donc c'est vrai que ces figurines-là ne sont pas non plus mes préférées. Par contre, effectivement, Lowrider est plutôt cool. Là encore, c'est pas mon type de véhicule. Que j'aime particulièrement, mais honnêtement, il est bien fait avec la petite roue arrière de secours, avec le klaxon qui est assez rigolo, la poule aussi à ce niveau-là, et visiblement, comme par des pièces techniques utilisées ici, donc je pense qu'effectivement, on pourra faire comme un vrai lowrider et donc faire comme des sortes de suspensions sur chacune des roues pour faire entre guillemets aller de bas en haut le véhicule, quoi. Enfin, qu'il entre guillemets qu'il rebondisse sur ses pneus, ses roues, voilà. Ce qui est la particularité du lowrider. Et par contre, ça, vous noterez que. C'est super intéressant parce qu'en fait on a un véhicule par méchant, comme vous pouvez le voir. On a effectivement, donc bon là vous avez un véhicule pour Catwoman, donc qui est par exemple méchante méchante. Vous avez un véhicule pour l'homme mystère, vous avez un véhicule pour le Joker, et là vous avez un véhicule effectivement pour Killer Croc. Donc 110-907, Killer Croc Tailgator, ou en français le tout-terrain de Killer Croc, 74,99. Et donc lui, surtout, c'est un gros pick-up et qui honnêtement est plutôt cool. J'ai toujours bien beaucoup aimé les pick-up, donc là c'est quand même plus une sorte de pick-up un peu monster truck du fait de la taille de la chose, hein, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, je sais pas trop par qui il est piloté, je pense par ce personnage-là, qui d'ailleurs est plutôt cool aussi. J'aime beaucoup ce personnage-là. Je sais pas de qui il s'agit, mais l'espèce de personnage zébré, honnêtement, rend vraiment bien. Idem pour elle. Alors, je ne sais pas non plus qui c'est. Et vous avez Batman. Batman avec un véhicule. Alors, Batman avec un véhicule qui flotte contre un véhicule qui roule. C'est un peu étrange. Alors, est-ce que celui-ci va dans l'eau ou pas dans les marées? Je ne sais pas. Après, vous pouvez toujours imaginer que sur le bord de la route, il y a un cours d'eau pour Batman. Je ne sais pas. Enfin, sur le bord de la route. Dans les égouts de Régir. On prend des égouts très larges hein, si le véhicule doit passer comme ça. En tout cas, non, plutôt le bateau est fonctionnel. Voilà. Et le pick-up est plutôt cool aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? Fait un peu de briquet de braque, donc ça j'aime beaucoup effectivement ce côté un peu cassé, avec là encore la pièce utilisée là pour faire une sorte de cache radiateur, avec l'espèce de grosse lumière un peu asymétrique, forcément tête d'animal morte, le gros moteur qui ressort, ouais, des lumières différentes pour montrer qu'elles ont été réparées, le côté un peu marré et tout, les caisses comme ça mises sur les côtés, c'est très intéressant, avec des grenouilles même comme dirait, qui ont presque poussé sur les côtés de la caisse. C'est vraiment un véhicule que j'aime beaucoup, ça, j'aime beaucoup les pick-up. Et ce qui est cool aussi, c'est la figurine forcément de Killer Croc. Et ce qui est encore plus cool, je trouve, c'est qu'effectivement, pour la tête, ils ont littéralement pris une tête de crocodile Lego, en fait. Mais vraiment, la vieille tête de crocodile Lego qu'on a depuis au moins les années 90, quoi. Même peut-être avant, même peut-être 80, milieu 80, quoi. Et je trouve ça super rigolo, personnellement. Ils n'ont pas cherché à faire un truc plus, parce qu'en plus, maintenant, plus on avance, plus les animaux Lego sont de plus en plus détaillés. Et là, ils se sont dit, non, on va juste faire pour Killer Croc version Lego. On va reprendre juste la vieille tête de crocodile Lego, je trouve ça super intéressant et ingénieux, et honnêtement j'aime beaucoup. Donc vraiment aussi une très chouette figurine. Honnêtement ça c'est un set qui pourrait me plaire, voilà. Mais il est super cher aussi. Il est très cher quoi quand même. 75 euros, vous vous rendez compte quoi? 75 euros c'est... Mais je trouve très cool. On enchaîne avec le 110-908 The Scuttler ou la Bat Booster 89,99.
Alors là, en termes de figurines, on a un personnage qui est plutôt cool. Batman avec une sorte de jetpack absolument énormissime. Bon, le jetpack, jamais été. Ça dépend des cas. On va dire que, en règle générale, je suis pas spécialement un grand fan des jetpacks. Ça dépend vraiment de leur apparence, de leur forme. Et là, honnêtement, celui de Batman il est assez classique, quoi. Robin en tenue de soirée, visiblement. Ça, c'est l'inspecteur. Je n'ai plus son nom. Je l'ai sur Gordon, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. À nouveau le Joker. Et Poison Ivy. Avec ses plantes sur plaque qui sont pas du meilleur effet, mais bon, pourquoi pas, on salue l'initiative. Mais par contre, ce qui est cool, effectivement, c'est vraiment le véhicule en lui-même qui est une sorte littéralement de chauve-souris mécanisée. Et honnêtement, je trouve ça original et vraiment super cool, quoi. Parce que c'est vrai qu'effectivement, les véhicules de Batman, à part des ailettes, ils ont rien de vraiment très chauve-souris-esque, hein, entre guillemets, quoi. Et c'est vrai que même quand en Chimant, en 2014, on avait eu une tribu des chauves-souris, même leur véhicule, enfin leur seul et unique véhicule, était pas vraiment top. Et là, j'ai l'impression ça fait vraiment honneur à une vraie chauve-souris, quoi. Vraiment un méca chauve-souris. Et je trouve le concept cool et l'exécution, ma foi, tout aussi réussi. Alors là, comme on a des sortes de pièces dentées, je pense qu'il y a une sorte de mécanisme, en fait, si on pousse la barre en avant éventuellement. Peut-être qu'il y a un truc que ça enclenche avec les jolies roues dentelles aussi. Je vois pas trop ce que ça pourrait enclencher, mais en tout cas ça peut être plutôt cool. En tout cas, ouais, j'aime vraiment beaucoup ce véhicule aussi. Et je pense qu'il aussi sera assez impressionnant en vrai. Bon, après, j'ai pas grand-chose à en dire niveau détail. Le cockpit est plutôt intéressant. Il n'y a pas vraiment de pièces qui me sautent aux yeux là. Mais ouais. Autant les figurines ne me font ni chaud ni froid, autant le véhicule est vraiment sympatoche. On l'enchaîne avec le 110-909 Batcave Break-In, le cambriolage de la Batcave, 109,99. Et là, d'une façon générale, donc Compel War, c'est le pingouin qui est mis à l'honneur, donc lui aussi aura son propre véhicule, bon, un peu plus petit que les autres, mais qui est quand même très rigolo, je trouve aussi, espèce de canard en plastique sur roue, mais aussi qui va dans les eaux, genre canard multifonction, quoi, vraiment très rigolo, je trouve. Idem, l'espèce de pingouin surarmé sont assez marrants, c'est quand même super violent pour du Lego, je tiens, tiens, sorte de pingouin avec des scies circulaires, ça me rappelle les sortes de hamsters auxquels tu t'accroches un couteau dessus pour qu'ils se battent entre eux, enfin bon. C'est assez violent, je trouve. Bruce Wayne en version de tenue de soirée. Vous avez Alfred, vous avez Batman qui est toujours là. Batman, il est là dans 75% des sets, c'est aussi quand même plutôt cool. Et d'ailleurs, Batman que vous avez en fait en x4, hein, donc dans différentes tenues comme on peut voir. Donc Batman tenue de soirée, ba Scuba Batman, donc la tenue sous mer, et Batman avec un short. Donc voilà, ils ont des noms officiels, hein, je crois que c'est même, mais bon, je n'ai pas le nom. Et par contre, c'est plutôt comme on peut le voir, les tenues sont. Enfin, l'accroche tient sur cette espèce de pièce de chenille, en fait. Et quand vous tournez cette partie-là, eh bien, vous tournez aussi la chenille, et forcément, vous avez les tenues qui défilent en fait devant vous, quoi, comme ceci. Ça, c'est vraiment bien pensé, par contre. Et en fait, je pense que d'une façon générale, autant le set. En termes de design pur, et pourtant, c'est une structure, hein, vous savez, j'aime les structures. Ne m'intéresse pas plus que ça, je sais pas pourquoi, je trouve un peu au final, je trouve que ça manque. Alors après, forcément, ça reprend les éléments principaux d'une Batcave, quoi. Je veux dire, changement de tenue, prison, là, changement Bruce Wayne Batman, je suppose, et forcément l'espèce de centre de commande avec tous les écrans, donc honnêtement, ça c'est quand même plutôt fidèle. Et par contre, ça sert à quoi tout ça là? Est-ce qu'on peut faire passer un truc sur l'espèce de partie là, ou c'est juste pour faire beau? Mais autant, effectivement, je pense qu'en termes de mécanisme, avec toutes les petites roues dentées que je vois ici, là, etc., je pense que ça peut vraiment être un très chouette set. Enfin, le bateau, que j'aime beaucoup personnellement, ça reste un bord assez classique, mais là encore, les pièces lisses sur les côtés, à l'avant, le petit moteur qui ressort, les ailerons, juste la petite vitre très, pas vraiment très très haute, tout ça fait que ça a l'air plutôt cool. Bon, par contre, la coque du bateau m'a l'air assez composée de plein de pièces, j'en suis un peu moins sûr de ça, mais honnêtement, j'aime bien la forme générale du véhicule. Voilà. Donc ouais, qui a quand même des bonnes idées, bonnes figurines et bon, qui m'a l'air honnêtement assez complet. Même si la Batcave, je sais pas, je trouve qu'il manque peut-être un petit truc en plus. On revient. Alors peut-être qu'effectivement, comme lui, il y a une référence un peu bizarre. C'est un modèle édition spéciale, je ne suis pas sûr du tout. Le 110-910 Scarecrow Special Delivery, ou en français la livraison spéciale de l'épouvantail, 24,99. Donc effectivement, lui, j'ai envie de dire, est à mettre de côté avec eh bien, ces deux modèles-là, parce qu'effectivement, en fait, il y a trois modèles à 24,99.
Donc c'est plutôt cool ça. Donc effectivement, même si je me plains que les sets sont un peu coûteux, vous avez quand même des modèles à 25 euros quoi. Alors forcément, le contenu est peut-être moins intéressant que les sets plus chers, mais il en reste quand même que vous avez quand même un certain choix au niveau des sets pas trop chers. Alors par contre, c'est quand même plutôt rigolo parce qu'ils ont pris une pièce de moto toute faite, qui est celle-ci, et ils ont quand même réussi à accrocher toute une série de briques à l'arrière, ce qui est assez impressionnant, je tiens à dire. Ouais, donc effectivement, oui, l'espèce de moto livraison à pizza, je pense justement pour faire pour entrer ni vu ni connu peut-être dans Gotham Energy, je suppose, pour casser des trucs. Pourquoi pas? Honnêtement, c'est pas un set qui me tente plus que ça, je trouve. Je sais pas pourquoi. Par contre, la structure est plutôt cool. Effectivement, c'est vrai que si je le compare aux deux autres, le véhicule en lui-même ne m'intéresse pas plus que ça, mais je pense que la structure est la meilleure des trois, quoi. Parce qu'autant la bijouterie est un peu vide, autant là vous avez vraiment la petite barrière qui peut se lever, la petite cabine pour gardien, la tasse, la petite caméra, donc ça c'est vraiment très détaillé je trouve. Voilà. Après c'est vrai qu'en termes de figurines, je reste peut-être un peu plus fidèle au second modèle qu'on a vu. Avec Batgirl, etc. On l'enchaîne avec le 110-911 ou 110-911, The Penguin Arctic Roller ou la limo Arctic du Pingouin, 3,99. Et donc là encore, eh bien, c'est au tour du Pingouin d'avoir son propre véhicule pour lui. Et donc, est-ce que ça coûte. Ah bah ça coûte effectivement le même prix que ces deux modèles-là. Donc on peut avoir, vous aurez le choix en fait entre deux véhicules de méchants à ce prix-là. En plus du monstre de gueule d'argile. Et honnêtement, c'est vrai que ce véicule-là rend plutôt bien. Bon, alors. Autant ça, je suis pas trop sûr, même si ça se trouve, ça on peut le cacher dans le coffre, ce qui serait l'explication pourquoi le véhicule est aussi, entre guillemets, faiblard en termes de design. Autant, bon, les figurines, il n'y a rien à en dire, mais c'est vrai que le véhicule, quand même, est super beau. Et comme vous pouvez le voir, j'avais pas marqué, mais effectivement, les garde-boue, entre guillemets, de l'avant du véhicule sont faits à partir des pièces de dirigeables Lego Friends et Lego Ninjago qu'on a pu voir effectivement en 2016, et ça, c'est quand même super bien pensé. Mais honnêtement, tout le véhicule est super propre, je trouve. Le côté qui a 6 roues, la grosse roue à l'avant, les petites roues à l'arrière, comme ceci, les pointes avec les poissons, la série de lumière, les missiles, plutôt bien cachés, comme vous pouvez le voir, la forme courbée, la tête de pingouin à l'avant, etc. Honnêtement, c'est un très joli véhicule, je trouve. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même fou ça, parce que lui, je pense que ce véhicule-là doit avoir beaucoup plus de pièces, ou de pièces plus intéressantes, ou plus, moins, plus coûteuses que ce véhicule-là, parce que. Dans celui-ci, vous avez quand même 5 figurines, quoi. Et là, on passe de 5 à 2. Donc je pense qu'il y a vraiment plus de pièces dans celui-ci. En tout cas, un autre modèle qui me plairait bien. Et on approche enfin du dernier modèle, après 37 minutes de parlotte. C'est fou, ça. Avec le 110 911, l'Arkham Asylum, l'asile d'Arkham, 164,99 euros, donc le plus gros net de la vague 1. Sachant qu'en vague 2, il y aura d'autres modèles qui coûteront, il me semble, le même prix ou même plus cher, donc honnêtement, on n'a pas terminé. Et en toute honnêteté, eh bien, alors c'est pas la première fois qu'on a un asile d'Arkham hein, en Lego. On l'avait déjà eu hein, il y a quelques années. Et par contre, c'est vrai que niveau figurine, vous payez le prix effectivement du set, mais vous avez de quoi faire. Batman, Robin, double face, qu'effectivement on n'a pas encore vu en set normal. Catwoman. Deux inspecteurs de police, je ne sais pas si c'est des personnages connus ou pas. Alors, celle-ci, c'est Amanda Walker, celle-ci. Un médecin, visiblement, et une médecin en chef. Et d'autres prisonniers. Donc, vous avez le Joker en prisonnier, vous avez l'homme mystère et vous avez Poison Ivy. Pour le reste, une petite table, truc de musculation. Une cellule, je suppose, même si elle est ouverte, donc je ne comprends pas bien. Et de l'équipement médical ou des équipements de bureau, quoi. Et après, vous avez forcément la structure en elle-même. Alors, c'est vrai que j'aurais dû prendre une photo de l'arrière, effectivement, pour qu'on voie l'arrière ensemble. J'ai pas pensé à ça. On aurait pu voir, parce qu'effectivement, ça sert pas à grand-chose de voir juste la façade de la structure. J'aurais dû penser à ça, tiens. Mais de ce qu'on peut voir de la façade, honnêtement, c'est plutôt bien réalisé, je trouve. Alors bon, forcément, ça sent un peu le gros x2, hein, parce que ça, c'est pareil que ça, mais de l'autre côté, logique. Mais j'aime bien l'espèce de tour de garde ici qui ressort, ça rend plutôt bien. J'aime aussi bien le côté un peu courbé de la partie centrale ici, comme ça, avec toutes les pièces un peu qui montent ici. Honnêtement, c'est plutôt cool. Je suis pas sûr vraiment d'aimer l'utilisation derrière de pièces, parce qu'on voit tout le vide de la pièce, c'est pas très, très élégant, je trouve. Mais par contre, c'est intéressant, l'espèce de petite pièce déchirée, tu sais, des barreaux de fenêtres, c'est plutôt intéressant ça.
Est-ce que cette fenêtre-là, c'est la cellule de Poison Ivy qui est une sorte de plante dessus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais. Je ne peux pas voir l'arrière, hélas. Mais l'extérieur, ça a l'air plutôt bien. Et là, vous avez quand même une voiture de police. Donc là, avec un modèle qui m'a l'air plutôt cool. Qui m'a l'air honnêtement réussi. Après, c'est vrai que bon, la structure, je la trouve, entre guillemets, en termes de design, un peu austère, forcément. C'est un asile, c'est pas non plus la fête au village, quoi. Mais voilà, mais hormis effectivement ce côté un peu austère qui, moi, me plaît pas spécialement, enfin, m'intéresse pas plus dans une structure, il a l'air quand même plutôt complet. Après, tu me diras, pour le prix, ça coûte presque 200 euros, quoi. J'ose espérer qu'il est complet, quoi. Mais ouais, voilà. Et donc on s'arrête là. Donc si on fait rapidement un récap là-dessus de ce que je veux, et on s'arrêtera là parce qu'effectivement c'est quand même beaucoup de temps que je parle, ce modèle-là me plaît bien, celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi, et celui-ci aussi. Voilà. Après, est-ce que je vais acheter du Lego Batman ou pas? Honnêtement, je ne pense pas. J'aurais déjà du mal à faire avec Ninjago et Nexo Knights pour me lanceur de modèles Lego Batman qui honnêtement je pense pourrait vraiment l'intéresser plus d'un hein, voilà et m'intéresse aussi comme player parce qu'au final c'est ça qui est cool c'est que même moi certains modèles m'intéressent donc honnêtement je serais pas cool de les acheter mais là encore ils coûtent quand même tous une certaine somme et cette somme là je l'ai pas spécialement sur moi donc bon on va se quitter ces mots un peu tristes hélas on verra bien le temps venu voilà ce qu'on fera en attendant j'espère vous que vous avez apprécié cette longue vidéo si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve très prochainement. Là encore, voilà, donc oui, effectivement, commentaires, questions, posez-les, vous pouvez les questions, vous pouvez les poser, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez me dire vous aussi quel est votre ou vos sets préférés Batman ou Marvel de cette première vague 2017, voilà, lesquels vous voulez avoir, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me corriger quand je me suis trompé, à me dire de quel personnage il s'agissait quand je ne le savais pas. Dites-moi aussi effectivement vous quel thème vous voulez que je fasse en tour d'horizon ensuite. On a effectivement commencé, on a fait les plus importants là, je pense. Effectivement, maintenant il reste quand même City, Nexo Knight, il reste Minecraft, il reste Pit Champions, il reste aussi tout ce qui était un peu plus pour filles, effectivement, avec Elves, Friends. Et c'est vrai qu'effectivement, en Lego DC Comics, il y avait le nouveau thème DC Super Hero Girls que de base je voulais faire en même temps, mais comme vous pouvez le voir, quand j'ai vu qu'on allait avoir 13 modèles Batman The Movie, je me suis dit autant ne pas les mettre parce que ça aurait fait encore plus long que ça, quoi. Voilà. Donc bon, et visiblement, j'ai bien fait vu que j'ai vraiment beaucoup parlé dans cette vidéo-là. Donc bon. En attendant, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous dire quel thème vous voulez voir ensuite et puis je m'en chargerai, voilà. Et puis c'est tout. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.